Hata na nyenye muko nazo, mmezificha, hizi nyota zii, hizi jeno hizi. Mtu hiko, ameficha nyota ya jeno hiko kwa mfuko, au hiko kwa gumboot, au hiko sii watu, ziko hapa. Wewe wafanya kazi yako tu? Siku moja. Wakubwa wanakuangalia? Natu wakamefanya nini? Yeah. Uvumilivu, urambivu. Nasikia hiyo? Yes, sir. Very grateful, sir. Nice talking to my soldiers. I always wish you the best, sir. Nous avons tenu une réunion de révision des opérations conjointes par DCIPDF à Beni pour 48 heures. Et nous venons de signer les documents concernant cette réunion, en préparation de la réunion des chefs d'état-major généraux qui se tiendra ici à Beni. Tulikuwa na kikao hapa kwa kuweza kuchunguza mambo ya operesheni, vile vile kuandaa kikao kitakaofuata kuhusu evaluation hapa mjini Beni. Ya ops conjoint. Et sur ce, les opérations se poursuivent normalement entre les forces de la République démocratique du Congo et les forces de défense de l'Ouganda. Na operation joint operation inaendelea kama kawaida kati ya jeshi la FRDC na la UPDF kutoka Uganda. Nous pensons que malgré les difficultés que nous connaissons sur terrain, les résultats sont probants, quel que soit à Ituri ou ici dans le Nord Kivu. Hata angalau kunakuwa na matatizo fulani kwenye area ya operation, ila mafanikio yameonekana na ikiwa upande wa Ituri hata upande wa Nord Kivu. Et nous continuerons à traquer les ADF jusque dans leur dernier retranchement. Merci. Na tutaendelea kumsaka huyu adui ADF hadi sehemu yake ya mwisho ya maficho. Asante. À quelques minutes des 18h heure locale, l'avion du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo atterrit à l'aéroport international de Goma ce vendredi. Au pied d'avion, le vice-gouverneur policier de la province du Nord Kivu, avec le commandant des grandes unités, lui réserve un accueil de son rang. Des honneurs militaires à la sortie de l'aéroport ont été au rendez-vous, ainsi que les passages des troupes en revue. Le lieutenant-général Chiwewe Songesha est en mission d'évaluation de la situation. Nous sommes en milieu de travail. Nous sommes venus juste pour le temps, c'est la continuité de ce qu'on fait souvent. Puis, au gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima Kongba, délancer un message d'espoir sur instruction du chef d'état-major général, son chef hiérarchique. J'ai accompagné le chef d'état-major général pour l'évaluation des opérations conjointes au UPDF par MDC à Béni, donc dans le Grand Nord. Et cela nous a pris aussi le temps de faire un petit saut donc à l'Ituri, donc à Bounia, pour la continuation de cette évaluation qui était maintenant que nous sommes rentrés à Béni. Nous avons l'espoir. L'espace est permis. De ce samedi, un travail plus affiné se fera à partir de la ville touristique de Goma. Question de réarmer le moral des militaires, mais aussi de réorganiser les troupes de l'armée congolaise. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Nous sommes les samedi 8 avril 2023. Ce matin, nous recevons M. Gédéo Sembengwa. Gédéo, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Vous allez bien? Tout va bien. Quelles sont les bonnes nouvelles ce matin, ce samedi, à Goma? Non, pas grand chose, sauf que c'était hier soir l'arrivée du général qui venait de Beni. Nous passons que pour une question importante de paix et de sécurité, il était préoccupé, et voilà. Et
il y a encore des nouvelles stratégies, des nouveaux mots d'ordre du côté militaire. Nous pensons que son arrivée à Beni va apporter beaucoup de choses. Il faut préciser, les chefs d'état-major général des FARDC, les lieutenants général Christian Chiwewe Songer, est arrivé en tout cas hier vendredi à Goma. Il faut préciser, il a été accueilli au pied d'avion par plusieurs officiers militaires. Est-ce que pensez-vous que son arrivée va changer la donne en secteur? Oui, je ne pense pas que c'était une visite ou une promenade de santé. C'était justement pour un besoin, pour un souci qui anime le gouvernement congolais. Et lui, comme il est le patron même de la sécurité, il devait quand même se rendre pour venir évaluer d'ailleurs la question des massacres de l'autre côté. Nous passons que... Parce qu'après Beni, probablement, je crois qu'il s'est rendu aussi à Bounia, Oui, toutes ces parties-là qui sont équipées, il a quand même fait une visite pour voir comment ça se passe, essayer d'évaluer pour voir s'il peut renforcer, qu'est-ce qui manque. Nous pensons qu'il est préoccupé par cette situation, franchement, et c'est une bonne chose. Nous attendons les changements, nous voulons voir un vent nouveau souffler dans ces zones-là où les gens ont souffert pendant des années. D'accord, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, la question 23 ne semble plus être d'actualité parce qu'il y a plus des affrontements, des combats sur le terrain. GDO, comment et pourquoi et comment comprendre cela? Bon, elle n'est plus d'actualité parce que ce qui alimentait souvent la toile, c'est que c'était le fait qu'il y avait des attaques des côté M23 qui ne voulaient pas toujours s'aligner derrière ce qui était déjà convenu et le cessez-le-feu. Des fois, ils tentaient toujours à vouloir montrer qu'ils étaient forts pour voir s'ils pouvaient contraindre le gouvernement ou persuader le gouvernement à revenir dans la carte qui est qui leur semblait favorable. C'était le dialogue et au passé qu'ils pouvaient, le gouvernement pouvait fléchir à cette force et dialoguer avec le M23. En fin de compte, le gouvernement s'est montré sceptique ou il s'est obstiné à sa position de ne pas dialoguer avec le M23. Le M23 était obligé quand il a compris que non, le gouvernement garde sa position et que peut-être le retour serait tellement dur. Voilà que il s'est dit qu'il accepte le cessez-le-feu et qu'il serait en train de se retirer. Bien sûr que le retrait est trop là, mais aussi le retrait devient hypothétique aussi, parce que de l'autre côté, la société civile dans le Nyiragongo alerte sur le renforcement du M23. Nous savons que le M23 est fragilisé, mais il peut nous surprendre à tout moment et il fallait vraiment être aux aguets. Bon, à Bounagana, on nous dit qu'il s'est déjà retiré, mais nous savons qu'ils sont encore dans beaucoup de milliers, parce qu'ils sont à Kichanga, ils sont à Kiwanja, ils sont à Rumangabo, ils sont disons, dans les Ruchuru Sandre, ils sont à Rugari, Rubare, toutes ces parties-là, ils les occupent jusqu'à toujours. Mais donc, quand vous dites qu'ils sont toujours à disons à Bounagana, mais ils ont annoncé, À Bounagana, ils disent qu'ils se sont déjà retirés. À Bounagana, on parle déjà du retrait. Mais on attend voir. Vraiment, nous ne sommes pas très chauds dans cette question. Et nous nous pensons toujours que l'aspect militaire devait intervenir. Mais comme il y a un semblant, on observe, nous pensons que s'il ne se retirait pas, l'aspect militaire va intervenir. Qui va intervenir? La force régionale? Non, la force congolaise, les FARDC vont intervenir. Je pense que la force régionale va suivre le rythme que nos forces va dicter. Et la force régionale n'est là que sur notre invitation. Et que si nous prenons un comportement, c'est parce qu'aujourd'hui, ce comportement, d'une manière pacifique, parce que nous donnons la chasse à la paix, nous donnons la chasse
disons, à cette culture qui est pacifique, qu'il se retire, si il, vraiment les soucis est là. Parce que c'est ce qui fait que les gens attendent dire que non, les M23 sont retirés, que les routes sont ouvertes et que Goma devient désenclavée, c'est tout ce qu'on attend. Si ça fait un mois, deux mois, ça sera grave et que non, nous allons appeler à notre force militaire de chasser l'ennemi par la force parce que ça serait déjà un théâtre pour aussi se réorganiser. Alors, Gédéon, en tout cas, il faut préciser que cette question, nous la suivons de près. Il faut donc rappeler cela. Les M23, aujourd'hui, en tout cas, c'est une petite question d'actualité. Mais dans les chefs des Congolais, certaines personnes disent qu'il y aurait, que le président Tshisekedi aurait déjà entamé des négociations. On ne sait pas, des négociations en coulisses, ce qui fait à ce qu'aujourd'hui l'M23 ne dérange plus. Pouvez-vous nous éclairer, M. Gédéon, un éclairage utile? Mais la question du M23 ne se passe pas en coulisses. D'ailleurs, nous avons vu le courage du gouvernement toutes les fois qu'il y a une question importante en matière de sécurité. Il y a le briefing qui a toujours été fait par les ministres de la communication pour communiquer la position du gouvernement. Donc, dire que non, il y a des négociations à coulisses, oui, à politique, beaucoup de choses se font à coulisses, mais je ne pense pas qu'il y ait une éventuelle négociation de ce côté-là, dire que non. Bon, mais oui, si on négocie, parce que il faut aussi être clair sur le format de cette négociation. Parce que tout rencontre, on peut l'appeler négociation, mais à vrai dire, c'est parce que les gens veulent, disons, à cela que les gens veulent faire allusion. En fait, il y a aussi des intox, comme vous le savez. C'est ce qu'on commence à dire que non, le président Tshisekedi est en train de négocier à coulisses. Et je sais que ce message vient du côté de M23. Ce sont les adeptes de M23 qui donnent ce message comme ça pour essayer de vouloir justifier leur faiblesse, que non, on n'est pas seulement faible, sauf que on a fait fléchir le gouvernement à coulisses, nous sommes en train de négocier. Non, ça ne peut pas se cacher. Quand ils ont été à Nairobi, on a été au courant. Quand ça s'est passé en Angola, on a été au courant, au Burundi mêmement, pour finir en Addis Abeba, nous avons été au courant aujourd'hui. Je pense qu'on a d'ailleurs parlé ici de Nairobi 4 pour la question des groupes armés, sinon aux nationaux. Mais la question n'a pas évolué parce que Nairobi 4 devait même se faire à Bunia, ce qu'on appelait Nairobi 4. Donc, il y a une rigueur sur cette question-là. Il y a une position claire aujourd'hui pour ne pas amener les gens dans des confusions. Le gouvernement est clair. Elle donne toujours l'orientation. Il communique toujours au peuple toutes les fois que c'est nécessaire. Donc, pas de négociation, la position du gouvernement reste toujours là. Oui, la position reste là, sauf que nous savons qu'il y aura cantonnement, après désarmement, il y aura cantonnement de M23. Il y aura évidemment réinsertion dans la vie civile du côté du M23. Apparemment, ça a été accordé. Qu'est dépassé qu'il fallait tuer tous ces gens-là qui ont embrassé les M23. Et après identification, on saura que non, et ceux qui sont venus du Rwanda, ils peuvent revenir au Rwanda, bien sûr, qu'il y a eu nos compatriotes qui ont été trompés, qui sont tombés dans les filets de l'ennemi et accompagner l'ennemi. Peut-être qu'il y aura des mesures, on attend voir, il y aura des mesures pour les resserrer dans la vie civile, après quoi on saura que non, on a le gouvernement a fait quand même grand chose pour mettre fin à cette sécurité. Mm-hmm. Ouais.
Ok, monsieur Gédéon, on a appris hier que les assassins voilà, de l'ambassadeur Luca Antanasio ont été, en tout cas, condamnés à... On parle de voilà, ont été condamnés, disons, ont été condamnés. Il y a ici personnes qui ont été condamnées à la réclusion à perpétuité hier à Kinshasa. Pour les maîtres de l'ambassadeur italien Luca Antanasio, de son garde du corps et d'un chauffeur congolais Mustapha Milambo. C'était d'ailleurs, il faut rappeler, en février 2021 dans l'est de la République démocratique du Congo. Tout à fait, nous rappelons de cette triste nouvelle l'ambassadeur qui était clandestinement foulé ses pieds sur le sol congolais et qui était surgi. Je peux dire comme ça, si le sol congolais du coup va apprendre qu'il a été tué. Ce procès-là, c'était déjà oublié par les Congolais. Aujourd'hui, hier, nous avons appris que ça continue, et ça a pris un moment quand même. Et voilà, il y a des condamnés. Réellement, moi, je veux que ce soit ces gens-là qui avaient commis ces meurtres, qui soient condamnés. Parce qu'il y a souvent le jeu de la justice de trouver des innocents, des boucs émissaires. Ça, j'ai peur. Je continue à réfléchir. Je n'ai pas posé des questions, beaucoup de questions, pour savoir s'il n'y a pas d'autres personnes qui disent les choses autrement, qui voient les choses autrement. Parce que c'est tellement fréquent ici dans notre pays. On cherche toujours les boucs émissaires, mais vraiment, si ce sont des coupables, ils méritent cette condamnation. Ils méritent cette condamnation, peu importe la clandestinité de l'ambassadeur. Mais ce sort ne serait pas quand même de les tuer. Vous savez, il y a beaucoup de mafias qui se passent ici dans les parcs. On dit qu'il était venu, il a rencontré même le directeur de l'ICCN de Mérode, mais quand le process s'est passé, on ne l'a pas vu même venir témoigner. Bon, on ne sait pas réellement comment on a fait des enquêtes, alors qu'il serait le vrai témoin parce qu'il s'était vu et il devait être au courant de son itinéraire et tout. Il devait d'abord d'ailleurs le protéger dans ce trousseau parce qu'il connaît mieux la zone, comment la zone était sécurisée. Bon, ça c'est à la justice de faire son travail et il est en train de faire son travail. Et que les coupables soient, subissent le sort qu'ils méritent. Mais aussi il y a de ces autres-là qui ont fait des crimes graves. Nous pensons que il n'y aurait pas des intouchables aujourd'hui. Mais malheureusement, il y a de ces autres-là qui jouissent, qui sont libres, alors que leur place serait aussi à prison. Mais les innocents sont en train de courir à prison. Et qui sont ces coupables? Bon, moi je dis des présumés coupables parce que nous savons de ces autres-là qui ont commis des crimes. Il n'y a que la justice qui savent déceler, qui nous éclairent et qui nous disent que non, il est coupable, il n'est pas coupable. Ça, nous avons laissé à la justice. Mais les innocents, nous connaissons. Je cite encore les enfants qui ont manifesté pour le départ de la Monisco et pour cette cause, qui ont été ramassés même dans des avenues. Et pour cette cause, ils courpissent toujours en prison. C'est grave, ça. Alors qu'il y a des gens qui méritent être à prison, mais les innocents sont en train de souffrir là-bas. Alors, Gédéon, qu'est-ce qui s'est passé à Goma, dans un centre d'enrôlement? Nous avons appris, on a besoin vraiment des lumières dans cette affaire, parce que on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé ici à Goma? Bon, moi je pense que c'est un scandale, franchement. C'était prévisible parce que il y a eu une légèreté dans cette question d'enrôlement, surtout le monnayage de la carte d'électeur. Les gens ont crié tout haut sur cette pratique, mais on n'a pas vu les autorités intervenir ou vouloir recadrer les choses.
Et voilà, à faire des comptes que pour les mêmes causes, on a perdu un compatriote, on a tiré sur un compatriote, et avec une police qui n'est pas éduquée, quand vous laissez faire comme ça, que ça soit leur business, pour s'enrôler, il faut qu'on donne l'argent, et que les gens se mettent là toute la journée, en train d'attendre la carte d'électeur, et celui qui n'a pas d'argent, il n'a pas accès à cette carte d'électeur, et ça devait tourner parce que les gens ne pouvaient pas accepter cette pratique. Et on fait quelqu'un dit, oh, moi je n'ai pas encore les bonnes informations, mais au moins je sais que quelqu'un a été tué par la police et au centre de Biaï, parce qu'on dit qu'il avait déjà donné son argent et que il, depuis 14 heures, on ne savait pas, disons, la relais et les policiers avaient déjà l'argent. Et quand il a beaucoup réclamé son argent, et apparemment ça... Ça a créé ping-pong et a fait les policiers qui avaient l'arme. Il a tiré sur les compatriotes. Et voilà que nous avons perdu les compatriotes. Les bureaux, tous les matériels ont été saccagés. Et voyez la perte que nous avons connue. Moi, je ne pense pas que ça... Si on ne limite pas ça, il y aura d'autres scandales qui vont arriver. Pas arrêter, mais il faut revoir les choses. Il faut réorganiser les choses parce que cette pratique de faire les choses, non, ça va nous amener dans des choses comme ça. Nous allons perdre les gens. Les gens ne vont pas accepter. Les gens sont hostiles à cette façon de faire. Vous voyez, à faire des comptes, nous avons perdu. Pourquoi? Pour quelle raison? Mais je pense qu'il fallait sanctionner fort. Le président du centre et ses policiers. Merci, Gédéon, nous arrivons presque à la fin. Mais un mot, il faut rappeler qu'il y a encore des tueries. En Ituri, une trentaine de personnes, des civils à Chouma abattus. Il y a la MONUSCO qui a condamné encore ces tueries. Un mot aussi. Vraiment, on ne sait pas si il faut... donner, il faut dire ça combien de fois, et toujours les mots de condoléances à chaque moment. L'important pour nous, c'est que ces tueries finissent et que le gouvernement voie là où il n'a pas réussi pour essayer de rendre efficace son appareil sécuritaire, parce qu'il n'y a que ceux-là qui peuvent nous sauver, nous mettre fin à ces tueries. Mais Bounia, il y a encore des nouveaux groupes armés qui sont en train de naître. On dit Chini Amatunda, je ne sais pas, qui prend aussi de l'ampleur. Ce n'est plus Codeco. Ouais. Il fallait chercher la source réellement de la création, les raisons, les revendications. C'est quoi, à vrai dire? Est-ce que c'est... Quels sont les tireurs de ficelles? Depuis longtemps, nous avons déjà dit, mais les parlements même, on a dit qu'il y a même des politiciens qui sont impliqués. Est-ce que c'est l'échec de l'état de siège, je dirais? Bon, jusque-là, ce n'est pas l'échec, parce que l'état de siège, on ne peut pas l'évaluer alors qu'il est encore à court. Mais nous pensons que... Maintenant, il y aura la réussite, quand je dirais. Oui, nous pensons que jusque-là, ils n'ont pas arrivé au bout de leur mission. Mais que, parce évaluer, que la mission... Écoute, je le sais, il faut évaluer les jours déjà passés, hein, les années déjà. On est dans la deuxième année. Est-ce qu'il faut parler de... Supposons aujourd'hui, le président décide, ok, je coupe l'état de siège. Ça sera quoi les résultats? Non, il ne saura pas couper ça alors qu'il n'a pas trouvé ce qu'il est en train de rechercher. Donc, il va rechercher ça quand? Oui, c'est à court, c'est à court. Si d'ailleurs, s'il faut parler de Bounia, de Beni, oui, j'ai fini. Il y a des approches il y a quelques mois, n'est-ce pas ça, hein? Mais l'état de siège a pris. Aujourd'hui, on est dans la deuxième année. Tout à fait. Supposons qu'il y ait un autre régime qui arrive après décembre. Parce que quand un régime arrive, il vit avec ses décisions aussi. Tout, tout à fait, avec sa politique, avec l'état, oui. De siège, tout comme il peut arrêter cela. N'est-ce pas? Maintenant, si aujourd'hui, l'état de siège, on disait, ok, c'est arrêté, c'est enlevé. Vous vivez à Goma, au nord Kivu.
vous allez évaluer comment? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut parler de la réussite de l'état de siège ou bien l'échec? Non, si réellement, aujourd'hui, bon, tout d'abord, on ne peut pas passer les élections sous l'état de siège. Ça ne peut pas se passer. Et donc, s'il y a encore l'état de siège, alors, jusque-là, moi, je ne dis pas, d'abord, il y a des points. Sur quelques points, il y a quand même une évolution, même sur les plans sécuritaires. Vous voyez, là, aujourd'hui, vous parlez de Bounia, des 30 tués, mais quand même, l'état passé, c'était régulier. Et il y a encore des surprises comme ça. Moi, je pense qu'ils ont, dans le moment de la purge, pour mettre fin à ces tueries. Fait de cet entretien, cet état de siège, je l'évaluerai peut-être plus prochainement. Merci d'avoir été là ce matin. Merci aussi.